bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Book of Wars. On est toujours en live et on a fait un petit tour des bouquins qu'on pouvait lire, on en a trouvé quelques-uns, qu'on va attaquer du coup aujourd'hui, en plus de notre petit prêtre. Donc pour tout ça, il nous faut un souvenir de type forge. Merde, j'ai vu 18, c'est pas du tout ce que j'ai vu, j'avais vu 10, je me suis foiré, j'ai vu un livre à 10. Oui, c'est celui-là plutôt. 10. Là, pardon, 18 c'est un petit peu haut quand même. Il nous faut un Foresight. C'est parti, on va le lire avec un Whist. Il nous faut un souvenir de type Sky 2. Une Storm ça le fera, ouais. On va le lire avec, pas un Shaft, avec un comme ça. Donc, pas avec le Metal, pas avec le Faust, ça c'est clair, pas avec Shaft. On peut lire avec Whist ici, allez, Whist. Il nous servira pas pour ce jour. Le souvenir de type Grail est dans notre lit, et il nous faudra un souvenir de type Rose. Rose 2, est-ce qu'on a ça? Edge Moon... Rose 2, on a Confounding Parable qui fait le taf. J'aimerais le lire avec un Srist, un Ereb peut-être. Allez, un Ereb, c'est pas mal un Ereb. Donc on a 1, 2, 3 souvenirs en cours, plus celui-là dans le lit. On va être bon pour les souvenirs. En tout cas, pour lire les livres. Et ici, on a notre chapitre amélioré. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ça, du coup? Non. Lui, il ne veut pas marcher parce qu'il est knock ou scale. Nickel, 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 nickel. Il nous faudrait un autre endroit. Avec du knock ou du scale. Donc, un endroit avec du evolve. Y a ça... C'est du scale, shaft, c'est forge et knock, donc ça passe pas. Tous les trucs ici, ils ont pas de evolve, hein. Non. Là, il y a du evolve, mais c'est juste deux aspects, donc c'est assez improbable. Il y a le truc d'entraînement. Ça marche pas non plus. Les miroirs, je vais regarder, je crois. Il y a le knock, mais... si, il est pas lui. Ah oui, mais non, mais c'est pas lui. C'était plus lui, du coup. Si, c'est lui. Ah, mais si, ça passe. Mais ça... Ah, mais l'autre chapitre, il est utilisé. Et ça, je peux le mettre. Je peux le mettre en réflexion, donc là, je pourrais. Là, je pourrais... Ah non, c'est mon chapitre plus que j'ai mis. Donne-moi mes chapitres pas plus. Voilà, là je pourrais améliorer mon shaft. Et bah c'est parti. On va voir. Et le shaft plus, il fait quoi? 3 de knock et 2 de force, c'est pas mal. Hein. C'est très honnête. Alors... J'ai oublié de mettre des sous. Pour le recruter, merde. Et oui, il lui faut un florin, lui. Ça, c'est assez ou pas? Oui. Et on a récupéré notre colis, ici. Très bien. On récupère Satisfaction. Parfait. Donc, avec le Satisfaction, on peut attaquer le travail sur Grail. Le Ereb, on est à 6, et il nous faut toi, on est à 10. C'est parti. En avant pour lire ce petit livre. Ici, on va attendre que lui arrive. Il faut qu'on travaille sur ça. Donc on va tout de suite utiliser notre Faust. Comme ça, on le repose vite pour pouvoir attaquer après le Sky. Ok.
Que ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Ça fait plaisir de pouvoir augmenter nos chapts là. Il va nous en rester un du coup. J'ai foutu quoi du plus? J'ai pas mis là-dedans. Non. Alors, hop là, le recteur assistance, on va aller reposer. On va aller reposer dans notre lit avec un petit verre d'eau. Est-ce qu'il nous reste un verre d'eau? Il nous reste pas de verre d'eau. Il faut qu'on aille chercher de l'eau au puits. Avec un health, c'est parti. On ramasse. Ah putain, c'est une 30. Waouh. Ouais, bon. C'est comme ça. Là, on va ouvrir notre paquet. Peut-être qu'il y aura de l'eau dedans. On a trouvé un acride marron. C'est absolument... C'est exactement ce que j'espérais trouver dans un colis. Disons-le. Alors, something to consider, on prend. Something to consider, on prend. Et something to consider, on prend. C'est parti. Pour celui-là, c'est du forge. Donc on va se mettre là, avec le foresight, avec le metal. Et en forge, je crois que celui-là, c'est le meilleur qu'on a. Et on est à 9. Hein. Je vérifie, on n'a pas mieux. Spice and savour, ça m'étonnerait que ça soit mieux. Non, on n'a pas mieux, donc il nous en manque un. Mais on peut mettre un outil sans trop de problèmes. On descend là. Voilà, un petit truc comme ça. Petit équerre, et on est parti. Attends, on commence à avoir tellement de skills, quoi. Ensuite, on a du rose. Le rose, c'est ce bureau. Yes. Ça, on met, c'est fait. On est à 5, c'est pas tant. Il nous faut un skill de type rose. On a ça, qui est à 5, c'est honnête. Et on est à 10, excellent. Hop là. Et enfin, en termes de sky, il nous faut le Faust. Bon, c'est une 30 pour aller chercher de l'eau. Bon, on va payer pour le reposer. Hop. C'est que tout pence, hein, après tout, donc ça va. Un florin, c'est 24, ouais. C'est plus qu'un shilling, un florin. Donc ça, on a c'est pour le prêtre. On travaille pas avec le prêtre, là. On travaille pas avec le prêtre. Travaillons avec le prêtre. Ouais, exactement, Lonmar. J'étais en train de me dire, on a le souvenir, là. Pourquoi ça bosse pas? Surtout qu'il faut le monter à 12, donc... ça laisse pas trop le temps de buller. Après, lui, on peut lui donner des bougies aussi. Donc, les bougies, mine de rien, il y a des grosses bougies, là, qui ont un gros boost de lanterne. C'est peut-être même moins chiant que s'embêter avec la bouffe et tout à 1. Donc, on va lui filer une bougie. Et déjà, il monte à 11, cash. Après, on lui donne un outil et il sera à 12. Voilà, comme ça, on s'embête pas. On lui donne le petit mirror scope. Avec un peu de bol, on aura 2-3 bouquins, parce que pour le moment, on n'est pas... Ouais, on va travailler peut-être aujourd'hui un peu avec tout ça. Est-ce que je pourrais pas aller chercher un petit peu de miel avec ça? Hop, c'est parti. Générer un petit peu de ressources, on va peut-être régénérer de l'eau aussi. Et en termes de fleurs, qu'est-ce qu'on a? Les ciblistes, on connaît. Oula, pardon. Là, on a quoi? Pioli in summer. Ah, ça me dit rien, ça. Mais il faut forcément du nectar, donc il faudrait que j'utilise ça.
Non, c'est pas utile, je pense. Ok, on a récupéré Faust, on va pouvoir lire notre livre. Alors, avec un bureau de type Sky, ici. Hop. Hop, le Faust. Voilà, un skill. Il y a celui-là qui est très fort. On est à 11. En avant. En avant, en avant. Donc toi, t'es passé à 11. On a dit, on te donne quoi déjà? Un petit truc. Un petit truc de type lanterne. Alors là, on a du café. Et sinon, il y a du verre de vin. Ouais, pourquoi pas. Un thé. Alors, ouais, on va lui servir un verre de café. Allez, tiens. Lire un livre, non mais ce conformisme. Ah bah là, non, t'as raison, ouais, l'outil. T'as raison, Lodemar, l'outil. Le principe du jeu, c'est de lire des livres, hein, donc clairement, pas de. Enfin, voilà. Putain, je suis un peu fatigué aujourd'hui, semblerait-il. Merci Lodemar de me soutenir. Là, du coup, on a lu On Swifty Ivories and Lovelies. Ok, très bien. Donc, on a une heure. Ça a été écrit par une des heures. Ok. Ah non, c'est. Pardon. Elle explique à propos d'une heure. Ok, très bien. Donc, Lovelies, le nom le plus fraîche, le plus récent de Grails, adopte la caractéristique de ce qu'elle dévore. Ok, très bien. Donc ça nous donne un impulse. Ouais, bon, c'est naze. Hop. On va le noter quand même, comme ça on s'en souviendra, mais on n'est pas sur du gros gros lourd là. Donc. On. First Live. First Lies. Ivorise. Lovelies. Donc Impulse, c'est toujours un 2 mosses, 1 nectar, c'est ça. Mosses 2 et nectar. On commence à avoir pas mal fait le tour des souvenirs de base, je pense. Et ça nous donne des leçons assez classiques. Alors avec ce truc, est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager de monter de niveau une compétence? On pourrait envisager de faire du coup cette leçon-là. Ah, je l'ai déjà. Je l'ai déjà, ok. Donc on peut envisager de monter un souvenir niveau 1, enfin une compétence niveau 1. Tac tac tac. Drum, c'est déjà niveau 2. Space and Savour, c'est déjà niveau 2. Donc ça veut dire qu'on peut monter ce truc-là niveau 1. Il nous faut un truc de type Grail. Donc on a Tchor, qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est parti. On fait ça niveau 2. Bon, ici on a servi notre verre. C'est pas grave. Ça servira un jour. On va le laisser sur la table. Ah, le poireau est trop gros. C'est vrai qu'on peut pas mettre plus par là parce qu'on est gêné par ces trucs-là en fait. En avant, on continue. On va pouvoir, non, on va pas pouvoir ouvrir notre colis parce qu'on a mis un autre truc là. Il faudra qu'on ouvre notre colis. Plus c'est du cuivre, je crois qu'on a mis là-dedans. Alors là, allez, on a été chercher de l'eau. Et bah, c'est parti. Est-ce qu'on peut rechercher de l'eau avec notre chore? En avant. Faire une petite réserve de brocs de flotte, parce que ça coûte que dalle. Et c'est quand même pas mal d'aspects, hein. Même si c'est que du niveau 1. Allez, le recteur est bientôt prêt. Hop là, c'est parti.
En avant, ouvre-nous la... bah, le dernier bureau au final. C'est un bureau en haut, c'est même pas une horloge. Ou... c'est carrément un bureau. Là, on ouvre ça. Et puis, bah, on va envisager de travailler un peu. Là, on a de quoi. Alors, le Srist, je crois qu'il génère que dalle. C'est de la bonne aventure, un truc du style, c'est tout naze. Mais le Else, on peut faire des choses avec. Alors, on a masterisé le livre de type rose. The Radical Misura. Alors, alors que la rose s'ouvre, nous explique le docteur Peel, une mémoire compliquée s'ouvre à l'horizon. C'est un moyen de dire quelque chose qui, sinon, ne peut pas être dit. Et on gagne un pattern. Ok. Bon, c'est pas si mal, un pattern. On commence à en avoir une paire aussi. Pattern. Pattern, c'est Forge et Knock 2. Hop là. On va aller le ranger. Parce que je pense qu'on a de la place encore pour le pattern. C'est par là, non? C'est là. Yes. Hop là. Suivant. Ah, notre chapte plus. Parfait. Deuxième chapte plus. Et alors là, je crois que le dernier truc qui nous reste attuned to chapte, c'est ça. Et c'est du nictrodomie. Donc on va être coincé pour celui-là. Pour le moment en tout cas. Alors, on a masterisé la tentation de l'architecture. Westcott explique que le Will Locks doit être une heure parce qu'il y a une majuscule encore. Celui qui se charge des charges de Treowen a souvent recours à des mesures dramatiques pour éviter l'encrochement onirique. Waouh la vache, on est quand même sur du bouquin de fou. Hein. Et ça nous donne... ah, on le connaît pas celui-là, tiens. Secret Threshold, ça ne me dit rien. Et bah voilà, comme je disais qu'on a fait le tour des souvenirs de base, il semblerait que non. La chienne... architecture... Secret Threshold. Je pensais que c'était un souvenir spécial vu sa tronche, mais même pas. Secret Threshold. Donc il donne Knock 2. Et Rose. Bon, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, mais on n'a pas tant de souvenirs qui donnent du Knock et du Rose, donc on va peut-être ouvrir un truc, vérifier. Ah bah si, Stolen Secret. Non, Secret Threshold, c'est pas le même. C'est pas le même, on va vérifier. Que je l'ai pas déjà. Gossip, Foresight. Non, on l'a pas. Bah on va le mettre là, du coup. Secret Threshold. Knock 2 et Rose. Hop. Et toi, tu vas ici. Voilà. Je vais peut-être pouvoir envisager d'évoluer Preliminal Meter. Et level 4, hein, Preliminal Meter, donc il me faut 4 souvenirs pour le faire. Ça va être compliqué. Peut-être plutôt celui-là. Celui-là, je crois que je l'ai pas encore. Non. Et on le garde. Ah, sinon, il y a lui, qui est de type Knock aussi. On pourrait l'améliorer. Et on, si lui, je crois qu'on l'a commit quelque part. Ouais, on l'a commit, ouais.
Parce que là, il nous faudrait 4 souvenirs pour lui. 4 souvenirs. Il nous reste 2 cerises. On pourrait le monter avec un chat. On pourrait, hein, on pourrait. Il faudrait générer 2 souvenirs si on a suffisamment de souvenirs différents de type quoi, Nock. Nock et Rose. Qu'est-ce qu'on a? La non, la non. Pattern, on l'a déjà. On pourrait faire un Co-Founding Parable. Et un Stolen Secret. On pourrait. Il faut juste des endroits où on peut lire avec Moon. Donc, ici. Allez, vendu. On va l'améliorer d'un niveau. Et donc, l'autre, c'était celui-là. On va le lire en haut avec là. Hop. Comme on peut pas bosser avec Srist, ça nous sert comme ça. Là, on n'est pas bon encore. Très bien. C'est clair qu'on a beaucoup de leçons. Demain, on risque de devoir bosser sur de la leçon. Hein. Pour changer un peu. D'autant que si on se tape un Numa, tout va disparaître et on aura l'air con. Alors là, on a récupéré notre fil de cuivre qu'on va aller reposer là où il était, c'est-à-dire ici. Hop. Et du coup, on va regarder si on peut pas enlever de la laine. Ça, il faut cliquer pour faire descendre là. Pas peur de l'oeil, de l'oeil, de l'oeil, du tea, du sucre, du beurre, des patates. Ah, on peut pas commander de la laine, hein. C'est dommage, on n'a rien pour commander du tissu, quoi. Bah du coup, on va commander du beurre. Allez. Voilà. Pour la peine, on commande du beurre. Parti. Ça coûte 3 pence. Non, pas de ça. 3 pence, parfait. On est parti. On devrait pas tarder à avoir notre paiement d'ailleurs, là, normalement. Qui arrive. Alors là, on a réussi à avoir du miel. Ok, un petit pot de miel. Alors du coup, le miel est assez facile à faire, mais le biwax m'a l'air d'être plus rare. Du coup, ça veut dire qu'on peut envisager d'utiliser du miel, notamment pour le Hearth de Mrs. Kyle, assez facilement. Alors si j'essaye de cuisiner, j'ai jamais essayé encore vraiment. Mettons que il nous faut des ingrédients à kitchenware. Kitchenware qu'on a, c'est le bol de type Hearth. Attends, je peux mettre genre l'épée là. Je la voyais clignoter, je me disais what. Ok, très bien. Merde, je me suis foiré. Je voulais la remettre là. Faut que j'arrive à la viser. Ah bordel. Voilà. Ok, donc là on peut mettre n'importe quoi qui coupe en fait. On peut, si on veut, on peut découper nos légumes avec, avec les gros sabres. Parce que pourquoi pas. Du coup, il nous faudrait un truc de type Hearth, un skill de type Hearth. Ça c'est 5. Tac. Regenzurbalm. Et là, on peut fabriquer quelque chose qui a été touché avec le pouvoir du Thunderskin. Donc pour l'instant, en fait, ouais, c'est un peu la limite, je pense, du truc de cuisine. C'est que pour l'instant, on ne peut fabriquer que les recettes bah, de type Earth, du coup. Ou Scale, ou genre de choses. Peut-être que si je mets ça, ce serait autre chose. Non, c'est le Regensburgbalm, ouais. Pareil. Mais avec le DLC, normalement, on devrait pouvoir vraiment cuisiner des objets, quoi. Vraiment de la bouffe. On peut mettre les poireaux, oui, t'as raison, ça coûte pas cher.
On est à 8. On va mettre le Kitchenware, du coup, ça. On est à 9. Et du coup, il nous faudrait un liquide qui a le bon aspect. Alors, est-ce que c'est de l'eau? Oui. Gideon's Hook, le savon de Gideon. Ok, alors bon, dans qu'à faire, on va le mettre dans un verre. Donc attention, ça va tout dégager. Voilà. On va faire un... Ah, on a ouvert la pièce en haut. Ok, on va aller voir. On va d'abord relancer ça. Donc, le verre d'eau. Le poireau. Ce truc-là. Et le bol. Et on peut fabriquer ce truc-là. C'est parti. Un genre de soupe de Gideon qui va nous permettre de faire du savon. Pourquoi pas. Alors du coup, on a ouvert ce sympathique endroit, Spire, où Hendrik Dewulf rencontrait en secret le roi Henri. Ah d'accord. Ok, très bien. Donc ici, on a un truc... Alors du coup, on va pas pouvoir le lire parce qu'on garde notre chapte pour améliorer Preliminal Meter, mais intéressant. On a un petit café, on a une mouette, on a de l'encre, et on a un bureau assez basique. Hein. Ah, c'est pas tout à fait un bureau. On peut mettre d'autres choses. Et on peut Evolve via Ushri ici. Alors qu'est-ce qu'on a dans Ushri? Bon, on a que dalle dans Ushri. On a ça qui nous permet d'attunier Whist, mais on n'a pas ce qu'il faut, et on a lui. Ah, on pourrait peut-être évoluer nos deux cerises en un cerise plus plus. C'est de type quoi? Moss. Ça. C'est pas du tout de type moss. Donc ça ne marche pas. Mais ok, on a un bureau là, on va prendre le bus sous la main. Pour l'étudier. Et puis, on va enlever la pause. Attendant que tout le reste bosse. Donc ici, on a bientôt récupéré notre flotte. Là, on récupère un peu de sous, mais du coup, bah, on va pas utiliser... On va pas travailler plus aujourd'hui, finalement. Le petit pot d'eau. On peut les servir, ça sera fait d'ailleurs, ça consomme rien. Donc. Alors ici, on a masterisé notre bouquin de Sky. Alors, les traditions damasiennes de la maison de Lès. Ok. Arrivé à un certain point, les hommes... L'initiation des hommes nécessitait, on va dire, une castration, et les femmes devaient étrangler tous les enfants qu'elles avaient déjà fait naître. What? Ces mesures étaient tellement horribles que l'ordre a été brisé par des schismes répétés, bah tu m'étonnes, et éventuellement été absorbé par les Sisterhood of the Nock. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que c'était que cet arrêt encore? Et c'est un impulse. Alors, Da Machine... Faut changer de lecture. Ouais, là, on est sur le pool d'aujourd'hui. Là, c'était vraiment les bouquins des mecs pas frais, quoi. On se souviendra que la maison de l'Est était des gros tarés. Alors c'est Moss 2 et Nectar, hein, c'est ça? Ouais, Nectar. Du coup, on va le ranger soigneusement loin de nos yeux, voilà.
Ici, on a généré notre souvenir, excellent. Et ici, on a généré notre souvenir, donc on va pouvoir travailler sur Preliminal Mentor. Alors, on met la leçon. Souvenir, 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 souvenir. Et un effort. C'est parti. On est pas mal pour notre journée quand même là. Une secte. Ouais, oui, bah c'est ça, hein, globalement, la plupart du temps. On en revient à ça, hein, c'est. Les mecs sont. C'est des sectes d'une manière ou d'une autre. Alors je pense que ça sert à rien en vrai de le servir dans un verre quand il est half, parce que du coup, ça nous donne juste un verre et ça le fait disparaître, mais bon. Voilà. On a quelques verres d'eau d'avance comme ça. Et on a pas mal avancé là, mine de rien, sur notre maison. Là, on commence à avoir bien couvert toute cette zone. Ici, il nous faudrait un 8 de Hertz, carrément atteignable. Et ici, on est level 5 avec ce truc-là, 6 de knock. Bon, on a déjà fait son attune, donc il nous sert plus à grand-chose pour ça. Mais demain, on va avoir de quoi faire. Hein. La cuisine, c'est en train de cuire. Hein. Ici, on peut faire quoi? On peut pas mettre ce souvenir-là, malheureusement. Donc, on va perdre notre impulse. Bon, c'est pas hyper grave. Tout le reste, c'est que des leçons. Hein. Leçon, 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 ok. Demain, on va se faire plaisir sur les souvenirs. Alors, on a cuisiné quoi de beau? Un truc thérapeutique. D'accord. Je crois que quand j'en ai déjà vu dans une pièce de ce machin-là. Peut-être du côté de chez le barbier, là. C'est thérapeutique, donc on va mettre ça chez le barbier. Et puis, bah, du coup, c'est la nuit. On fait d'eau douche. 4 de Hertz, ouais. Oui, mais je crois que c'est pas un breuvage. C'est ça, c'est juste un liquide, ouais. C'est le truc qui était juste un liquide et que, du coup, on peut pas donner. Il faudrait en faire quelque chose. Alors, est-ce que je peux le pour out? Je suis pas convaincu. Ouais, non, c'est pas un beverage, donc ça ne marche pas, malheureusement. Il y a certainement quelque chose à en faire, hein, mais... Mais je ne sais pas quoi. Malheureusement, pour le moment, je ne sais pas quoi. Ah, et on a notre colis qui est arrivé. On va l'ouvrir tout de suite. Et du coup, je vais arrêter la VOD là, ça fait un épisode un petit peu plus petit, mais faut que je m'arrête. J'espère que ça vous a plu, si tu veux dire au revoir dans le chat, ou si quelqu'un veut dire au revoir dans le chat à la VOD, n'hésitez pas, c'est maintenant. Puisqu'on va devoir arrêter le live après, probablement. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.